Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Aujourd'hui nous sommes le 2 octobre et je suis enfin en vacances, donc du coup j'en profite pour vous faire une vidéo. Je suis désolée si derrière vous entendez du bruit, mais c'est tout simplement parce que j'ai ma machine qui est en route et du coup elle fait un grand dam. Voilà, sur cette vidéo je voulais vous parler de certaines petites choses. Tout d'abord je voulais vous parler de toutes mes prochaines vidéos qui aura donc sur ma chaîne. Je vous ferai une vidéo haul, donc des choses que j'ai achetées donc sur Wish et d'autres sur Amazon, donc il faut le temps que je les reçois. Une fois que j'aurai tout reçu, je vous ferai donc la vidéo haul. Ensuite je vous ferai une vidéo sur on va dire que ça pourrait servir en tant que astuce et tuto. Pour transformer des perles amas en emanodots. Voilà. Et ensuite, je vous ferai donc ma vidéo de ma scrap room. Puisque là, actuellement, je n'ai pas du tout le temps de vous la filmer. Et je n'ai pas encore fini de tout ranger, tout mon bazar. Voilà, voilà. Ensuite, pour cette deuxième partie, je voulais vous parler d'un livre d'une de mes collègues infirmière assortie, donc c'est Raphaël Jean-Louis, donc voilà son livre. Le titre donc c'est Diplômé délivré, parole affranchie d'une étudiante infirmière. Il est au prix donc de 16 € et vous pouvez le trouver donc dans à Leclerc, dans l'espace culturel, ou bien dans tout ce qui est librairie, ou encore sur Amazon. Voilà. Donc en fait, elle raconte dans ce livre, elle raconte tout ce qui s'est passé durant ses stages en tant qu'infirmière. Franchement, je vous le conseille, il est trop trop bien. Moi qui n'aime pas du tout lire, en une journée et demie, il était fini. Donc franchement, je vous le conseille, il est vraiment trop trop bien. Voilà. Ensuite, elle a une chaîne YouTube, donc c'est tout simplement son nom, Raphaël Jean-Louis. Elle a sorti des films aussi, donc je vous conseille d'aller voir les extraits, et franchement, ils sont trop trop bien. Donc voilà, donc je voulais vous parler de ceci. Ensuite, je voulais vous parler de ce qu'on peut trouver sur des groupes Facebook. Alors, je n'ai pas le nom du groupe en tête, mais je vous le mettrai en barre d'infos si je le retrouve. Vous pouvez tout simplement trouver sur certains groupes, hein, peut-être qu'il y en a... Il y a d'autres choses que vous pouvez trouver sur d'autres groupes, mais sur celui que je vais vous donner en barre d'infos, vous pouvez trouver donc dans des fichiers. Vous pouvez trouver donc une fiche outil de dimension pour transformer les centimètres en inches, ou les inches en centimètres, suivant ce que vous voulez. Et franchement, je trouve cette fiche technique franchement super bien. Tout est bien détaillé et on peut déjà savoir que un pouce ou inch est égal à 2,54 cm. Si vous n'avez pas si vous avez internet mais que vous n'avez pas créé de chaîne Facebook, vous pouvez toujours me demander et je pourrais éventuellement les photocopier et vous les envoyer. Voilà. Ensuite, si vous voulez avoir un petit nuancier ou quelque chose qui peut vous repérer sur les twin markers donc de chez Action pour savoir ce qui vous manque, vous avez donc un nuancier comme ceci, donc qui est sous forme de 3 pages, donc 1, 2 et 3, vous voyez qu'il y a 3 pages, et en fait vous avez donc les numéros des crayons avec le nom. Donc le nom de la couleur en fait. Et après, bah, moi je me suis amusée à faire le très fin, le trait le plus épais. Et vous voyez que bah, il me manque pas mal de couleurs. Donc je sais que maintenant quand j'irai chez Action, bah, j'aurai plus qu'à prendre mes feuilles et à regarder ce qui me manque plus ou moins. Donc voilà, après vous avez celle-ci. Vous
voyez que bah, j'ai commencé aussi. Donc là, j'ai mis toutes mes couleurs que j'avais. Hein. Et là, vous voyez que bah, la dernière page, j'en ai aucun. Donc voilà, donc je sais que c'est vrai qu'ils en avaient fait pas mal de twin markers, ils avaient fait une bonne collection, mais je ne pensais pas que c'était autant. Donc voilà, donc ça c'est pareil, si vous ne vous avez pas de chaîne Facebook et que vous voulez éventuellement cette fiche technique de nuancier pour les twin markers, il n'y a pas de souci, je peux vous les imprimer, il n'y a pas de souci aussi également. Je pourrais éventuellement vous envoyer les deux. Voilà. Ensuite, sur des chaînes YouTube, alors bon, je dis des chaînes parce que c'est vrai qu'on peut trouver pas mal de choses sur certaines chaînes. Il y en a, ils mettent en barre d'infos tout ce qu'ils peuvent trouver sur Amazon et tout ça. Et d'autres, ils peuvent mettre des fiches techniques suivant ce qu'ils font au niveau des tutos. Là, je suis tombée sur la chaîne de Pnixy. J'espère que je dis bien le nom de ta chaîne. J'en suis désolée si tu regardes ma chaîne et que je l'ai mal dit. Je mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos. Et en fait, sur sa chaîne, elle faisait donc des paperclips en forme de robe. Voilà. Et j'ai trouvé ça super génial. Donc, je me suis dit, faut que je teste ça. Et du coup, je me suis dit, ça sera pas mal parce que j'ai d'autres livres à lire. Et pour éviter de perdre sa page, ça peut servir en tant que marque-page. Donc, je me suis dit, un paperclip comme ceci, ça serait génial. Donc, du coup, elle avait mis en fiche technique et en barre d'infos ce genre de petites choses-là. Donc, c'est tout simplement pour faire des hauts en robe, voilà. Où on peut tout simplement redécouper le contour et après retracer au crayon papier sur notre feuille. Donc ça c'est pareil, si vous voulez une photocopie je peux éventuellement vous la faire, sinon je vous invite à aller sur sa chaîne. Donc sa chaîne c'est P-N-I-X-I-E, Pnixy, j'espère que c'est comme ça. Donc voilà, donc du coup je vais m'amuser à faire ces genres de paperclip. Et éventuellement, peut-être que je vous ferai une vidéo sur, pas comment on les fait, mais sur ce que moi j'ai pu faire. Ou bien je vous mettrai une photo juste après la vidéo. Voilà. Voilà, j'ai tout dit, j'ai raconté tout mon petit blabla. sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en avant et écrire un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Pour les nouveaux abonnés, bah, je vous souhaite la bienvenue. J'espère que toutes mes vidéos vous plaisent. Et pour ceux qui hésitent à s'abonner, bah, abonnez-vous, il n'y aura aucun problème, c'est gratuit. Sur ce, moi je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye.